Good morgen, allez, Yiden, je suis aujourd'hui le Lonishmat Avram Mordechai Ben Israël, Kofani, Dvora, Bat Esther, Eliaou, Alain, Bat Esther, Adjadj. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Ktuvot, Perek Bet, Mishnah Aleph. Ha'isha Shenit Armela, O Shenit Garsha. Hi Omeret Betula Nesatani, Vehu Omer Loki, El Almana Nesatir. Im Yesh Edim Shatsta Behinuma, Verosha Parua. Ktubata, Mataim, Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Af Chelouk Kelayot Re'ayam. Dans le premier chapitre, on s'intéresse à savoir à quelle femme faut-il s'engager à donner 200 zouz et à quelle femme il faut s'engager à donner 100 zouz quand on se marie. La Kulchi ou de Ktuba, d'accord? Suite à ça, ça nous a fait rentrer dans toutes sortes de problématiques. En tout cas, c'est ça le sujet essentiel. On a ma Sechet Ktubot pour vous dire combien, quand je me marie, je dois m'engager à donner à ma femme. Puisque c'est une femme vierge, je dois lui donner 200 zouz. Quelqu'un qui se marie avec une femme qui n'est pas vierge, il doit lui donner, il s'engage à lui donner que 100 zouz quand il le divorce. Après, bien sûr, d'autres choses, d'autres Sechet Ktubot. On vient à peine de commencer Ktubot. Mais en tout cas, c'est la base de la Ktubot d'abord, c'est s'engager à donner cette somme-là, qui est, si c'est 200 zouz, c'est la somme minimale pour pouvoir vivre et survivre, on va dire, vivre correctement, simplement, pendant un an. Comme ça, Khamir ont évolué 200 zouz. Celui qui a 200 zouz, il est plus considéré comme un pauvre, il n'a plus le droit de prendre l'argent des matnotanim, par exemple. D'accord? C'est une quantité qui est souvent évoquée, 200 zouz. Donc en tout cas, il doit les donner maintenant, il s'engage à lui donner 200 zouz. Bon, ça c'est quand il s'engage, quand il se marie. Après quelques années, ils viennent divorcer. Et alors là, éclate une nouvelle dispute, bien sûr. Après toutes ces années où ils ont fait voler des assiettes, ils se disputent à présent à savoir est-ce que madame était une femme jeune, était une demoiselle, jeune fille, quand elle s'est mariée, ou est-ce qu'elle était une veuve, ou une divorcée, ou une femme qui avait déjà eu un rapport avec quelqu'un. D'accord? Donc on a maintenant un vikouach. Ha'isha shenit armela o shenit garsha. Une femme qui est devenue veuve aujourd'hui, ou encore qui a été divorcée, elle est devenue veuve, mais il y a les enfants du mari. Qu'il a vu d'une autre femme, qu'ils étaient avec elle, parce qu'en fait, en réalité, il y a elle, quand son mari meurt, elle doit recevoir une ktouba, et après, les héritiers du mari héritent tout le reste. Maintenant, d'où la nécessité de savoir, le mari s'est engagé à lui donner 200 ou 100 quand il s'est marié. C'était une femme vierge, une femme qui avait déjà été mariée. Alors regardez, Aïcha Shenitar, mais là, on est une femme qui devient veuve, ou qui va se faire divorcer. Yi omeret betula nesatani. Elle prétend au bediné, j'étais une betula lorsque je me suis marié, une jeune femme vierge. Vehu omer, et lui ou les héritiers disent non, Loki, ce n'est pas ça, c'est pas juste. Et là, almana nesatir, tu étais déjà une veuve. Ouais, ou tu étais une divorcée, ou peu importe. Imaginez, allez prouver ça maintenant. Imaginez maintenant, on se retrouve avec. Ouais. Après 20 ans de mariage, quelqu'un il me dit, toi, t'as déjà été marié, enfin, papa, t'es marié. Comment est-ce qu'on va prouver ça? Essayez de réaliser d'abord la complexité de la scène, quoi. Les proches parents, pas question, ils ne peuvent pas témoigner au Beddin. Qui peut témoigner? Que des étrangers. Comment je peux témoigner sur une femme, que cette femme-là? Comment je peux témoigner sur ma belle-sœur qu'elle était, elle n'a jamais été divorcée? Comment? Quelle preuve j'ai? Il faut que... Même si c'est un proche parent de la famille qui a vécu avec elle depuis qu'elle est petite. Allez savoir si pendant. Si elle ne s'est pas mariée une fois avec quelqu'un qu'elle a connu pendant un mois, elle s'est mariée avec lui, puis elle a divorcé au bout d'une semaine. Allez savoir. Vous n'avez aucune preuve. Imaginez. C'est très compliqué. On pourra toujours trouver des témoins, mais en tout cas, sur quoi on peut se fonder en fait pour la marier? Alors, Ramim, ils ont donné une solution très simple. S'il y a des témoins qui est sorti avec un hinuma, lorsqu'elle est partie se marier en robe de mariée, elle avait le hinouma, deux possibilités, on va prendre le voile pour le moment, le voile sur le visage, verosha paroua, et elle avait les cheveux lâchés. Ktubata mataim, sa ktuba, elle sera de 200 zouz. On va expliquer après, mais d'abord je finis la mishnah pour vous expliquer le principe. Rabbi Yochanan ben Broka, Omer, Rabbi Yochanan ben Broka dit, afrilok klayot raya, même le fait qu'on a conversé devant eux des klayot, alors des klayot, c'est des grains de blé, en fait, concrètement, si, pendant, sur le route, pendant qu'ils marchaient, comme les petites demoiselles d'honneur, là, elles jettent des petites fleurs, ils avaient l'usage, eux, de jeter du blé, d'accord?
Il y en a qui veulent vivre une vie dans les roses, et il y en a qui veulent vivre avec du blé. C'est le principe. Eh bien, ça aussi, ce sera une bonne preuve. Le principe, il est très simple de notre Mishnah. Il n'y a même pas de discussion d'ailleurs, c'est qu'une question d'usage. Il y a des usages qu'on fait à une jeune fille qui se marie, à une Betula. La Gemara, elle en évoque une tonne après. Plusieurs, plein d'usages qu'on faisait. Des dents spéciales qu'on faisait. Et tout ça, pour une fille qui n'a jamais été mariée. D'accord? En général, d'ailleurs, quelqu'un qui se marie avec une jeune fille, une femme vierge, il fait un très grand mariage. Quelqu'un qui se marie avec une femme en remariage, on fait un petit mariage. D'accord? On fait une petite réception, on danse un petit peu, mais c'est plus la même chose. Le pauvre, il va prendre quelqu'un qui a déjà eu du vécu. Donc, forcément, c'est moins joyeux. Il y avait comme ça cet usage qu'une femme, je reviens maintenant sur c'est quoi le Inouma. Il y a un usage d'abord que Inouma, c'est le voile qu'on met sur le visage de la femme. Il y a par ça un autre avis qui nous dit que non. C'était une sorte de choupa en hadas. Le myrte, là, le hadas, on faisait comme ça une grande choupa avec elle, et on la faisait marcher au-dessus d'elle avec une choupa, comme la hadas qui sent la fraîcheur, cette femme aussi sent la fraîcheur. Elle est pendant une WW, comme c'était les immatriculations en France à l'époque. D'accord? Je sais pas si ça existe encore, mais j'ai quitté la France depuis longtemps, donc. Voilà, donc comme ça, c'est un signe qu'il y avait toutes sortes d'usages qu'on faisait devant une jeune fille qui se mariait, et qu'on ne faisait pas devant une femme qui n'était pas mariée, qui avait déjà été divorcée ou qui a été veuve, ou en réalité même aussi qui a eu un rapport, mais le problème c'est que si elle a eu un rapport, on ne saura rien en général. Donc il y a toutes sortes d'usages qu'on fait avec... qu'on faisait spécifiquement à la jeune fille, et qu'on était très macpide à ne pas les faire à une femme mariée, divorcée, avec qui on se remarie, et ne pas faire un mariage pareil. De ce fait, la Mishnah nous dit, bah écoute, c'est pas la peine d'aller chercher maintenant des témoins qui l'ont connu, que toutes les semaines il la voyait, et qui savent qu'elle n'a pas été mariée, c'est trop compliqué à trouver des témoins pareils. On a une solution très simple. Si il suffit qu'à son mariage, on s'est conduit comme on se conduit avec une jeune fille, on lui fait tous les trucs, il y avait comme ça qui rapporte que je crois qu'il faisait rire spécialement la... Les essayait, les faisait rire et tout ça. Ce qu'on faisait pas avec un deuxième mariage, eh ben ça suffit pour prouver qu'elle était jeune fille. Et Rabbi Hanan ben Broka aussi, comme je sais pas si je l'ai dit ou pas, il n'y a pas de marquette fondamentale. C'est juste que dans l'usage, dans le lieu de Rabbi Hanan ben Broka, dans sa contrée, là où il habitait, alors il y avait l'usage comme ça où on jetait du blé, signe d'abondance, qu'ils allaient avoir de l'abondance dans leur maison. Et donc on leur jetait comme ça des clayottes de blé devant eux. Entre parenthèses, c'est tout un sujet qui est ouvert autour de ça. Est-ce que c'était pas Baltachrit de faire ça, de jeter du blé pour rien? Mais qu'ils disent qu'on allait le récupérer, comme ça, il n'y a pas de problème de Baltachrit. C'est comme la blague avec les... J'ai pas dire les mecnassis, c'est pas vrai. Mon beau-père était mecnassis aussi. Mais avec les bonbons qu'ils jettent avec les élastiques, c'est le même principe. Ils jetaient le blé, mais après ils partaient le ramasser. Donc il y a Frilo clayotte aussi, Raya. Donc concrètement, ils avaient comme ça l'usage de jeter. Je pense que là, ça provient... Malheureusement, on vit dans une génération, ça s'est un peu perdu, le minag, on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Mais j'imagine que les petites demoiselles de nœud aussi, qui jettent des fleurs devant la calaille, jettent des pétales ou des trucs comme ça, ça provient probablement aussi de la même chose. Parce que c'est intéressant de savoir, est-ce qu'on est macpide quand quelqu'un qui est divorcé, est-ce qu'il faut attention à ne pas jeter ses pétales, justement. D'accord? Il y a une chose de sûre, que ça, on est macpide, parce que ça, c'est encore dans les mains de la rabanoute en général, de partout. Attention, tout le cérémonial où le khatan va dans les Atnachim, et là-bas, il y a la fille qui est assise sur la chaise et qui lui baisse le voile et qu'après il rentre dans le choupa. Je crois qu'on ne fait pas ça avec une divorcée. C'est direct. On rentre directement sur la choupa, c'est tout. D'accord? Donc ce sera, de nouveau, ce sera, si on a un témoignage qu'on a fait sur avec la chaise et le voile et tout ça, donc c'était un mariage de jeune fille. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.